Bonjour les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir pour le tirage de la semaine du 25 au 31 janvier 2020. Il y a un mois passé, voilà. Crois que j'ai compris ce qui m'arrivait, je crois que je suis capable aujourd'hui de l'assumer par rapport à mes sorties de cerveau, pour ceux qui me suivent. Donc, voilà. Je vais probablement faire une petite vidéo pour m'expliquer, pour vous expliquer ce que je ressens. Et voilà, je ne vais pas le faire là maintenant. On en parlera. Ce qu'il faut qu'ici que vous sachiez, si vous ne me connaissez pas, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, c'est que parfois, quand je fais mes tirages, ben, je dis une phrase qui n'a rien à voir dans l'histoire, je m'en vais ailleurs, mais voilà, je pensais que j'étais gaga, mais non, apparemment, je ne suis pas gaga. J'ai réfléchi beaucoup et j'ai reçu aussi des explications. Et donc, si je réagis comme ça, c'est juste parce que je vis ça pour de bon. Voilà, et je vous expliquerai peut-être plus en détail pour ceux qui ce que ça intéresse et peut-être qui vivent la même chose et qui ne savent pas du tout de quoi ils vivent. Ah, depuis tout à l'heure, mes cartes, elles sautent, elles sautent, elles sautent. On va prendre celle-ci, les amis, la carte de l'énergie, donc pour cette semaine. Affirmez vos sentiments, affirmez vos sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Sushi! Et cela vous permet d'agir en conséquence. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Voilà. Affirmez vos sentiments. Agissez par rapport à justement aux sentiments que les autres vous offrent ou pas. Voilà pour les petites les énergies donc de cette semaine par rapport à cela. Alors, je vais faire les 13 cartes avec un tarot normal, le tarot Rider. Et on va faire en 13 cartes. Je ne fais pas à l'envers les tirages généraux. Donc je les remettrai à l'endroit. Alors, les énergies pour cette semaine, qu'est-ce que ça va être? D'énergie, d'amour. Donc ici, nous avons ici, alors il est possible qu'il y ait certaines personnes qui aient des déceptions dans les rêves, dans certains rêves, un peu de nostalgie aussi par rapport à son passé. Mais sinon, c'est une carte qui nous parle d'âme sœur, c'est une carte qui nous parle de peut-être d'une personne du passé qui revient. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'un amour partagé. Voilà. Mais peut-être effectivement une personne qui revient vers vous. Voilà. J'allais dire il faut être peut-être dans l'acceptation, mais je n'ai pas envie de le dire parce que c'est vous qui devez savoir. Bon. C'est vous qui devez savoir
ce que vous, comment vous devez agir. Affirmez vos sentiments. Bon, je coupe. Nous avons le soleil et le 9 de coupe. Faites un vœu avec le 9 de coupe, on peut faire un vœu. Donc ici, ce sont c'est la carte des vœux réalisés, évidemment, ces deux magnifiques cartes, bien évidemment. Nous avons le bonheur, la satisfaction, la joie. C'est la carte qui va représenter la satisfaction dans tous les domaines. C'est la carte qui va représenter l'idéal. Ici, c'est la carte des vœux réalisés, c'est la carte de l'accomplissement de désir. Mais c'est aussi la carte du célibat. Donc, vous avez tout ce que vous désirez, les coupes, c'est le 9 de coupe, donc ce sont aussi les émotions et l'amour. Donc, tout ce qu'il vous manque ici, vous avez tout, il vous manque juste quelque chose, et c'est une personne pour faire un couple. Voilà, pour former un couple. Donc ici, nous avons, à mon avis, avec le soleil, avec le 9 de coupe. Donc faites un vœu, n'oubliez pas, vous pouvez faire un vœu quand le 9 de coupe sort. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un vœu qui va se réaliser et avec le soleil. Donc ce que vous désirez va se réaliser. Si vous êtes déjà très bien, ben... voilà, il est possible aussi que ce tirage ne vous parle pas. Ce serait normal puisque c'est un tirage général. Donc. Mais même si vous êtes bien, il y a peut-être quelque chose, un vœu que vous devez faire qui pourrait vous apporter un petit plus dans l'amour, dans la situation amoureuse, sentimentale. On est vraiment dans les sentiments hein, cette fois-ci. Oui. J'ai coupé, je ne l'allais pas regarder, mais bon, on a l'as de coupe, donc ici c'est une rencontre, c'est un nouvel amour, c'est aussi un nouvel emploi, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, c'est le luxe aussi, c'est la carte de la richesse, la carte du luxe, ici c'est la carte des choix, le 7 de coupe, donc on doit faire des choix, on nous dit aussi, attention de ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Voilà. Bon, allez, je ne coupe plus. Et on prend nos 13 cartes. Je coupe quand même. Une. Une, deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Neuf, dix, onze, douze, treize. Nous avons la reine d'épée. Donc ici, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a... c'est la reine ou le roi, ça? C'est le roi. Ça va nous parler donc de quelqu'un qui tranche, de quelqu'un qui donne son avis. C'est aussi une personne, ça nous parle plutôt de ne pas perdre du temps pour pouvoir gagner, pour pouvoir arriver à ce qu'on désire. C'est voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, il va y avoir un choix, on va trancher. On y va. Le 3 de cœur. Alors, le 3 de cœur, ça va nous parler de douleur. De douleur, de chagrin, de parfois de désespoir, de séparation. On vous a blessé peut-être. Des difficultés aussi.
Donc, pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans cette situation justement où, parce que ça écarte aussi un peu de la tristesse, etc. ici, après un certain bonheur. Donc ici, peut-être qu'il y a une séparation ou que vous allez vivre une séparation, ou que vous croyez que vous allez vivre une séparation, vous êtes dans ces énergies-là. Peut-être que vous faites des films aussi par rapport à une situation qui ne peut-être n'en est pas une. On va voir. Ici, on a le 4, le 5, le 5 de coupe. Je regardais parce que je pensais qu'il était mis les chiffres. Le 5 de coupe. Alors ici, évidemment, on nous dit, arrête de te focaliser sur le passé. Prends les coupes qui sont derrière toi. Prends-les et va-t'en. Ces coupes-là, elles sont tombées. Il ne faut pas pleurer sur son sort. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Prenez votre courage. Tournez le dos à ce qui n'est plus. Tout ce qui tournait le dos, n'espérez même pas les ramasser, elles vont tomber en miettes, donc tournez le dos et prenez les deux qui sont là, qui restent, prenez-les et partez avec. Arrêtez de vous focaliser sur le passé, parce que sinon il n'y aura que des regrets, que du chagrin, que de la déception, mais peut-être que vous venez de vivre quelque chose de triste. Il pourrait aussi que ce soit un deuil. Quelque chose qui vous a blessé, c'est pas spécialement une rupture non plus. Ça pourrait être aussi une déception d'amitié. Ben voilà, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, on fait la fête. On fait la fête. Le 3 de coupe, ici, c'est quoi? C'est la guérison. Donc, on va déjà vers une guérison certaine. On a la célébrité, on a le succès, on a le bonheur familial ici. Et on trouve peut-être aussi des compromis pour pouvoir avancer, pour pouvoir être heureux. Voilà. Donc, je pense qu'ici, vous allez enfin tourner le dos à votre passé. Il est grand temps que vous tourniez le dos à votre passé. Il faudrait aussi peut-être, je ne sais pas pourquoi je dis ça, et peut-être qu'il faudrait vous faire respecter. Et qu'il n'y a qu'une seule manière de se faire respecter, c'est de partir. C'est possible. Ah, on est vainqueur, on gagne, on est la victoire ici, les amis. On revient avec les honneurs. Donc ici, c'est la carte du victoire, des honneurs, du succès, de la rivalité, de la bonne nouvelle. Donc on va recevoir des bonnes nouvelles. Donc pour moi, ce sont des bonnes nouvelles concernant peut-être la famille, en tout cas concernant quelque chose qu'on pourrait fêter si il n'y avait pas le Covid. C'est quelque chose qui vous met en tout cas c'est quelque chose qui vous rend fier, qui vous rend fier, qui vous rend fort, qui vous redonne qui vous donne du respect. Enfin, qui fait qu'on vous respecte plus, mais qui vous donne de l'importance, de la prestance. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. On a le 3 de denier. Ici, on nous parle de travailler en équipe, on nous parle de travailler dur. Donc, le 3 de denier, c'est un travail qui est bien fait. C'est un travail où on doit maîtriser ses émotions, maîtriser ce que l'on perçoit, ce que l'on entend, ce que l'on croit entendre. Enfin, il faut persister. En tout cas, c'est un travail bien fait. Il y aura un travail bien fait. Alors, ça parlera peut-être d'argent, du coup. Peut-être, ça va me parler d'argent, ça peut être quelque chose, une entreprise que vous allez faire, vous allez peut-être pendre la crémaillère parce que vous avez atteint un but. Et le but, c'est peut-être par rapport à l'argent, par rapport au boulot, peut-être aussi. Et donc,
Alors, on pourrait avoir un chagrin parce qu'on a fait une faillite, par exemple. On est vraiment chagrin, on a fait une faillite et on se dit, je peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus recommencer. Mais si, 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 vous pouvez recommencer et vous allez gagner si vous recommencez. Et vous allez travailler dur et vous aurez de l'aide. Il y a des gens qui vont venir vous aider. Ici, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe ici, ça va nous parler d'une personne qui est clairvoyante, d'une personne qui est aimante. Donc, c'est une personne qui est déjà mûre, une personne qui est chaleureuse, qui a de l'émotion, qui a de l'intuition, de la dévotion, je ne sais plus ce que je raconte. C'est une personne qui est qu'on aime beaucoup. C'est une maman, une vraie maman. Voilà, ça nous parle aussi de clairvoyance. Donc avec cette carte, donc il est possible qu'il y ait une personne parce que cette carte nous parle d'aide aussi. Donc peut-être que cette personne, la reine. Alors c'est peut-être vous, la reine, le roi, cette consultant, consultante, peu importe le sexe. Il est très très possible qu'il y ait une personne, peut-être votre maman, une maman, une personne que vous considérez ou qui aurait pu être votre maman, qui vous aide. Voilà. Il y aura de l'aide et ce sera, c'est quelqu'un en fait, ce sont les émotions encore avec les coupes, hein. Les émotions, les sentiments, l'amour. Donc, il y aura, à mon avis, comment on dit, ce sentiment qui va amplifier la valeur de ce que cette personne pourrait dire ou faire. Sushi! Sushi! Ok. Le cavalier de denier, les amis. Ouais, les sous, l'argent. Bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive. C'est la prospérité, c'est l'argent. Alors, ça pourrait être aussi la prise de risque par rapport à l'argent, par rapport à une nouvelle entreprise, peut-être. Bien sûr, ça peut parler de ça aussi. Alors, ça peut être parler d'une entreprise, ça peut parler aussi, tout ce que j'ai à dire, ça peut parler d'amour. Ça peut parler de votre propre problématique. D'accord? Donc, à vous de voir. Maintenant, ça nous parle de bravoure aussi. Ça nous parle de changement, j'allais dire brutal, de changement soudain. En tout cas, c'est quelque chose qui. C'est une nouvelle qui arrive lentement mais sûrement. Vous voyez, avec le cavalier, ben là, il est à l'arrêt, le cheval. Et donc, ça arrive. Ça arrive. Donc, si vous attendez des nouvelles financières, des nouvelles, c'est en train d'arriver. C'est sur le bon chemin. Et ce seront de bonnes nouvelles. Mais voilà. Mais il y aura peut-être une prise de risque. Donc, vous allez avoir une bonne nouvelle. Réfléchissez avant de prendre les risques et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. C'est moi qui le dis, ça. Waouh! Ici, nous avons une nouvelle rencontre. L'amour, les couples, l'amour, les sentiments, les émotions. Donc ici, nous avons un couple amoureux déjà, une nouvelle rencontre, un amour en tout cas réciproque. Ça parlera aussi de coopération. Je pense que de toute façon, quoi que vous fassiez et quel que soit le sujet qui vous préoccupe, il y a, admettons, quel que soit le sujet qui vous préoccupe, mais que vous ayez déjà foiré ou vous avez fait une faillite, peu importe, ici vous êtes, en tout cas jusque maintenant, vous êtes tout à fait dans la possibilité absolue de réussir. Il faut juste faire votre deuil de ce qui vous a blessé. Faites votre deuil de ce qui vous a blessé. Et puis, je vais avoir une interruption là. J'ai eu une vision, j'ai eu un monsieur et un monsieur et. Je ne sais plus ce que je disais du coup.
C'est un monsieur et son fils. Il faut que je canalise tout ça, il faut que j'essaie de canaliser, mais je ne sais pas encore comment je dois faire. Enfin, cette carte nous parlera d'un amour réciproque. Donc, si vous êtes en couple et que vous doutez, pour moi, à mon avis, c'est un amour qui est réciproque. C'est un coup. Une nouvelle relation, une nouvelle évolution. Un couple amoureux, je vous l'ai dit. Nous avons ici la papesse. Alors, cette carte va nous parler d'introspection, parfois de tristesse. Donc il y aura des énergies ici, on va vous demander peut-être de bien réfléchir avant d'agir, de ne pas aller n'importe comment, de ne pas aller trop vite ni trop doucement. Ce sera aussi la sagesse. On vous demande aussi d'avoir du bon sens. N'agissez pas n'importe comment. Il faut rester vraiment sur le chemin. Sur le chemin qu'il faut vraiment prendre. N'allez pas par un raccourci, parce que ce ne sera pas un raccourci, ce sera un cul-de-sac et vous allez bloquer. Nous avons l'indécision, le 2 d'épée, on a l'indécision, on doit faire un choix, on doit trancher. On est bloqué, c'est le blocage aussi, ce sont des épreuves, ce sont des... Bon, cette carte, elle peut nous parler aussi de forces parallèles. Je pense que vous devez faire un choix. Suite à un travail que vous allez faire sur vous-même, mais peut-être que vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez faire ce travail-là sur vous. Vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte. Enfin, de toute façon, il faut faire un choix. Il y a un choix qui va être fait. Nous avons le roi de bâton, qui est ici le chef d'entreprise, qui est une personne généreuse. C'est une personne autoritaire. C'est une personne qui a de l'assurance. C'est une personne qui est le chef d'entreprise. C'est une personne qui peut être votre patron, quelqu'un qui a de la création. Ça me parle de vitalité, de créativité, de passion, de passion. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir du soutien, beaucoup, beaucoup de soutien dans vos projets ici. Beaucoup de soutien dans vos projets. L'ermite, ma carte favorite. Alors, c'est encore une fois ici une recherche intérieure. C'est une recherche intérieure. C'est la carte qui va nous parler de réfléchir avant d'agir. J'allais dire de... J'allais dire de sacrifice. Peut-être. Peut-être que ça va vous parler de sacrifice.
vous sacrifiez. Et enfin, le manque, le 5 de denier. On a le manque, on a le des regrets, on a un sentiment de défaite, on a un sentiment de... quelque chose de raté. Et on va quand même reprendre des cartes pour recouvrir un peu, pour avoir d'autres précisions. Je prends le Bell Inn. On va juste en remettre une là sur le 5 de coupe. On a la carte 15, la carte de l'eau. Ça va nous parler de voyage, mais j'ai l'impression ici que c'est un cycle. Il y a un nouveau cycle qui commence, les amis. Donc, vous êtes peut-être en manque, mais il y a un nouveau cycle qui commence. Voilà. Les honneurs. Donc, on a quand même un peu le même genre de... symbolique. Ici, nous avons la carte des honneurs. C'est la carte qui va nous parler de pouvoir, d'autorité. Donc ici, on a une certaine indécision parce qu'on est bloqué, parce qu'on a un choix à faire. Et là, on a une certaine autorité. Peut-être qu'on n'avait pas d'autorité. On a un certain pouvoir, on a une certaine autorité sur cette carte. Ah, il y a un blocage ici, hein. Il y a du retard, il y a un blocage avec le cœur. Donc le retard, c'est bah, évidemment, ça va nous parler d'immobilité. Donc il y a des choses qui ne bougent pas ou qui ne bougeaient pas dans votre cœur. Ici, on a la carte de la nouvelle. Ce sont des bonnes cartes quand même. La carte de la nouvelle qui va nous parler d'un message réel ou d'un message symbolique. Message réel ou message symbolique. Alors, le message symbolique, ça peut être aussi quelque chose qui va venir dans votre tête. Qui va vous dire, non, attends, ne fais pas comme ça. Je dis ce qui me vient. Donc moi ici j'ai une vision de d'un endroit. Merde, j'ai oublié. Un homme qui dit si tu si les autres sont passés, il a été vu avant que nous on le voie. Moi je vois une personne décédée.
qu'on aurait laissé là, que d'autres personnes auraient laissé là, puisque ces autres personnes auraient dû passer par là avant. Seulement, il ne sait pas qui sont ces personnes qui se sont passées avant. Ah, je sais pas, ça doit être clair pour quelqu'un. Voilà. Je ne me retiens plus, je laisse passer le message. J'essaie de trouver un autre nom à la chaîne. Je vais recouvrir juste ici le retard. On a la stérilité et la fatalité. Bon. Il y a quelque chose, en tout cas, pour laquelle vous devez faire une croix. Vous devez faire une croix sur quelque chose et il ne faut plus compter dessus. C'est quelque chose qui vous rend triste, d'accord. C'est quelque chose qui vous a rendu triste, d'accord. Mais ça ne changera pas. C'est resté bloqué. C'est resté bloqué comme ça. Ça ne changera pas. La carte de la stérilité, ça nous parle évidemment de où il n'y a pas de vie, manque de vie. Ça pourrait aussi parler d'une personne qui veut rompre avec le monde. Une personne qui voudrait partir en vacances. Ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même. Vous voulez rompre, vous voulez partir en vacances. Si ça vous parle. Et puis on a la fatalité, donc évidemment, les choses se feront de toute façon. Mais je pense que ce n'est que par rapport à cette blessure de cœur. Hein. Ce n'est qu'en rapport avec ça. C'est la fatalité, c'est comme ça. Voilà. Bon. C'est des belles cartes, il y en a juste qui sont plus dures, mais en général, ce sont de belles cartes. Juste faites un petit peu d'effort, un petit peu d'introspection. Voilà, ayez confiance en vous et en les autres, mais pas trop. Yep, c'est là. Bon, on va... prendre le 77 et nous allons voir l'amour avec ça. Alors ici nous avons déjà une élévation. J'ai une élévation, on gagne quelque chose. Allez, trois cartes. Une. Deux. Trois. Pour l'énergie générale de l'amour. Une. Deux. Trois. Et là, on a Bouddha. 32. Donc ici, encore une fois, on nous demande de faire un travail sur vous, sur nous, de l'introspection, voilà. On doit travailler sur nous. Donc, c'est pas pour rien que c'est beaucoup, beaucoup. On nous demande vraiment beaucoup de travailler sur nous. On a la carte 16. On a la carte 69. Et là, oui, 62. Alors, ici, j'ai bien l'impression que, par rapport à l'amour, vous pensez à vous. En tout cas, ici, j'ai une aventure amoureuse
qui devient une aventure amoureuse qui devient un petit peu profiteuse, c'est pas le mot, comment est-ce qu'on dit? En tout cas, on a la richesse ici, les finances. On a des finances. Donc, je pense que ici, dans votre couple, il y a quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et qui va vous rapporter des sous. Bon, je sais, c'est un tirage amoureux, mais ici, ça nous parle d'argent. Ça nous parlera aussi d'une personne qui a des facilités dans la vie. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un déjà qui a quelques difficultés. J'ai ici une personne, faites attention. Je vois une dame qui me dit oui, je sais, c'est une dame blonde avec des lunettes. Elle me dit oui, je sais, il fait tout le temps ça, il a de l'argent, mais il dit qu'il n'en a pas, et je dois aller chercher. Chaque fois, je lui prends un truc à manger, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, rien à voir avec ça. Alors, ici, pour moi, un amour de cœur va devenir un amour toujours de cœur, mais aussi. De raison. Vous voulez sortir de cette situation pour certains. Vous voulez sortir de cette situation. Ici, je vois un adolescent qui veut sortir de sa situation avec sa mère. Alors, je viens de voir quelqu'un qui se jette par la fenêtre. Je suis désolée, je vous dis ce que je vois. Un jeune homme qui se jette par la fenêtre devant les yeux de sa maman. Chut. Allez, hop, on se remet dans le truc. Nous avons, alors, par rapport ici au célibataire, la carte 19, la carte 15 et la 29. Ok. Donc ici, une certaine justice. Il y a une certaine justice, les amis. Donc, vous allez sortir de cet endroit qui est pour vous comme une prison. Vous allez vous en sortir. C'est un labyrinthe qui vous allez avoir de l'aide. Alors, peut-être que vous allez recevoir de l'aide. De l'introspection. Ah, mais quelque chose va être mis à la lumière. Ok. Et une signature, d'accord. Donc ici, votre état d'esprit. De l'argent, effectivement, l'amour. Ben voilà, donc je pense, les amis, que vous soyez en couple déjà marié ou pas, et ou les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire par le biais d'échanges téléphone, ordi, enfin, ce que vous voulez. On va fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui va être signé. Mais vous ne pouvez pas le dire, ça ne peut pas être ébruité.
En tout cas, on a l'amour, on a une amitié qui pourrait devenir un amour ici. On a l'argent, on a son état d'esprit. J'ai aussi un voyage, j'ai une personne d'une autre nationalité, j'ai quelque chose qui est rapide. Voilà. Juste pour du fait que voilà, voilà, je vais prendre l'oracle des miroirs et on va tirer trois cartes pour voir s'il y a autre chose par rapport à l'amour qui doit ressortir. La correspondance. Donc, on avait avec le téléphone tout à l'heure, nous avions la correspondance. Donc, ok. L'enfermement. Tout à l'heure, on ne pensait un peu qu'à soi. Et comment je voulais faire, moi? Merde, mince. Celle-ci. Oui, c'est juste. Et l'hérédité. Alors, l'hérédité. Alors, moi, ce que je peux voir ici, c'est que vous voulez être enceinte, vous n'y arrivez pas. Vous êtes enceinte, c'était pas prévu. Vous avez correspondu avec une personne par rapport à votre état. C'est infructueux. C'est infructueux. Donc ici, j'ai une famille qui continue de s'allonger. Là, nous avons les examens. Donc, on rigole, on a réussi ces examens ici. Je pense qu'ici, il y en a une plus qu'une, j'en suis sûre. Vous êtes renfermé sur vous-même. Il faut vraiment correspondre avec des gens. Il faut sortir. Il faut parler. Okay. Donc, si vous craignez qu'il n'y ait pas d'héritier, il va y en avoir un. Il va y en avoir peut-être une. Je n'ai pas regardé le sexe. Parfois, on sait le voir. Ok, alors, qu'est-ce que j'avais marqué, moi, là? Sentiment. C'est. Message de l'oracle. Alors, où est-ce qu'il est celui-ci? Voilà. Je ne l'ai pas su. Message adressé à tout le monde qui regardait la chaîne, bien sûr. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même
que tu pourras l'être avec les autres. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même, que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les amis, est-ce qu'on fait un petit oui-non aujourd'hui? Avec le hurle normand? Allez. On va le faire. Hein. Un oui ou un non, demandez une réponse. Oh, on a le oui les amis, et on a le monsieur. Alors là, c'est une rencontre, c'est, enfin, moi je l'ai comme ça, donc vous devriez l'avoir comme ça, et pas de dos. Donc effectivement, nous avons une relation, une liaison, un amour, une demande en mariage, un mari. En tout cas, c'est juste magnifique, et après j'ai le soleil, donc c'est oui, hein, de toute façon, j'ai le soleil, j'ai la madame. Voilà, on va rester comme ça. Donc, voilà, et on a les arbres qui vont nous parler de santé, de bonne santé, d'ancrage, etc. Voilà. C'est oui, quand c'est l'anneau, c'est oui. Voilà, mes amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour la vidéo prochaine. Bisous, bisous.